Le type d'humilité qu'il te faut, celle du serviteur tiré d'un message de pasteur Mohamed Sanogo Luc 22, versets 26 à 27 qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Dans ce texte, Jésus nous exhorte à un type d'humilité précis, celle du serviteur. Comme nous l'avons vu dans une pensée précédente, le type d'humilité qu'il te faut, celle de l'enfant, je vous rappelle que l'humilité se définit comme étant la disposition à s'abaisser volontairement devant Dieu et les hommes. Nous avons vu qu'il existe plusieurs types d'humilité. Je reprendrai l'exemple de l'humilité du pauvre. Certaines personnes adeptes de cette forme d'humilité vont rechercher la pauvreté, le manque de confort. Elles vont préférer ce qui est laid à ce qui est beau, craignant d'être vues. Elles vont refuser de porter de beaux habits. Or, Jésus ne nous invite pas à cette forme d'humilité. Lui-même était certainement très bien habillé puisque les soldats ont tiré au sort sa tunique, ne désirant pas la déchirer. Jean 19. Versets 23-24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. L'humilité du pauvre ne vous rendra pas grand devant Dieu et ne vous assurera pas d'une place dans le royaume des cieux. La Bible montre que les deux types d'humilité qui précèdent l'élévation sont celles de l'enfant et du serviteur. Parlons aujourd'hui de cette dernière. Comment puis-je être humble comme serviteur? 1. Aimer servir et non aimer se faire servir. Nous devrions accepter une charge pour la tâche qu'elle représente et non pour l'honneur de la fonction qui s'y apparente. Chaque fois que nous nous engageons dans quelque chose, nous devrions éprouver notre motivation. Sommes-nous motivés à apporter quelque chose de plus à la vie des autres ou désirons-nous activer notre propre promotion? Aspirons à la charge et non à la fonction. 1 Timothée 3:7. Parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. 2. Accepter d'accomplir des tâches subalternes. Un serviteur voit ce qu'il y a à faire et n'hésite pas à y contribuer plutôt que de penser que cela n'est pas à son niveau. Romains 12:16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. 3. Acceptez de vivre des conditions basses. Luc 9:58. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » 4. Supporter la honte et l'humiliation. Jésus lui-même est mort cloué à une croix, très certainement nu. Il nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12:2. 5. Honorez ceux que vous servez. Le vrai serviteur aime mettre en avant les compétences des autres. Il relève ce en quoi ils excellent. Nous devons mettre les autres en valeur, encourager leurs capacités. Malachie 1:6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? 6. Attendre les instructions. Le serviteur attend de recevoir des ordres avant d'agir. 7. Être disponible à être envoyé n'importe où. Un vrai serviteur va là où son maître l'envoie. Il obéit à l'ordre reçu. 8. Ne pas chercher les remerciements. Celui qui n'a pas le cœur de serviteur attend des remerciements pour la moindre chose accomplie et peut se sentir blessé ou vexé s'il n'en reçoit pas. Un vrai serviteur n'attend pas d'être remercié pour ce qu'il a fait. Luc 17:10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. 9. Ne pas chercher les places d'honneur. Luc 20,
Verset 46. Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robe longue, et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les festins. C'est par orgueil que l'ennemi a péché et qu'il a perdu la place de choix qu'il avait auprès de Dieu. Ésaïe 14, verset 13 à 15. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. N'oublions pas, Jacques 4, verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour en savoir plus, venez nous voir à l'adresse 2207 Avenue Charland, Montréal. Appelez-nous en composant 1 514 572 7898 ou écrivez-nous à info@vazesdonneurmontril.com ou @vazesdonneurmontril.com.